Il n'avait que 9 ans et est mort après un accident de moto sur un circuit. Lorenzo Somaccini, espoir de la moto argentine, est décédé des suites d'un choc à la tête le 17 juin. Il participait à la première séance d'essai libre de la Junior Cup, une course réservée aux pilotes entre 8 et 16 ans, à Interlagos, au Brésil, pour la 4e manche du Superbike. Il était au 2e tour lorsqu'il a chuté dans le virage le plus lent du circuit. C'était une addition de beaucoup de choses. La chute a été très lente, mais il s'est cogné la tête dans une certaine position. Les organisateurs de la course ont également réagi. Le pilote a été immédiatement soigné sur place par l'équipe médicale pour des soins intensifs. Il a ensuite été transporté aux urgences, où son état clinique s'est stabilisé. Soigné à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, Lorenzo Somaccini est mort 3 jours après sa chute. Lorenzo avait reçu sa première mini-moto à 4 ans. Le garçon avait confié qu'il voulait arriver en MotoGP et devenir champion du monde. Des voix se sont élevées en Argentine, certains accusent l'entraîneur du garçon de l'avoir mis en danger. Lui explique que Lorenzo était un passionné de moto. Son décès a fait réagir les stars de la moto, parmi elles Jorge Lorenzo, multiple champion du monde. Mon cœur se brise parce que j'étais aussi son idole et il avait mon numéro. Malheureusement, les motos peuvent tout nous donner, mais elles peuvent aussi tout nous prendre à tout moment. Il devait fêter ses 10 ans le 17 juillet prochain.